Les problèmes de coupures intempestives et récurrentes d'électricité à Kinshasa ne passent plus inaperçus depuis plusieurs années déjà. Le phénomène délestage en dit long. Cependant, pour résoudre tant soit peu ce problème que l'on attribue à la mauvaise gestion de transformateurs électriques, il a été décidé l'instauration du système PPC. Un système d'énergie électrique avec le compteur à prépaiement qui génère et retrace la consommation des agents au mieux donne la possibilité aux abonnés de consommer l'énergie pour laquelle ils ont payé leur facture. Un moyen qui devait s'avérer une réponse adaptée à ces coupures, mais qui malheureusement ne l'est pas. Ici, nous sommes à Mazal, les résidents de ce quartier dénoncent les coupures intempestives dont ils font face. Le courant électrique chez nous n'est jamais stable. L'on pensait qu'avec ce système nouvellement instauré par la SNEL, ces coupures intempestives devraient disparaître à jamais, mais ce n'est pas le cas. À cause de cette instabilité, nous avons perdu nos provisions. Cela nous écœure énormément. Nous utilisons les courants électriques des cartes prépayées. Nous dépensons chaque mois 10 dollars. Malheureusement, nous n'en bénéficions pas. Même les lumières publiques qu'ils avaient installées ne marchent plus. Ils sont dans l'obligation de les réparer. D'après les autorités de la SNEL, ce mode de paiement du courant électrique vise une meilleure maîtrise de la consommation par le client tout en permettant à la société de réduire les délestages. En d'autres termes, une réponse adaptée à ces coupures électriques. Sauf que les réclamations des abonnés prouve à suffisance l'inefficacité de ce système dit PPC.